Bienvenue à tous dans ce journal, Madame, Messieurs, bonsoir. Le Premier ministre Païmi Padaké Albert a reçu ce matin l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Mali au Tchad. Gassama Sadio a évoqué avec le chef du gouvernement des questions inhérentes aux relations entre les deux pays. Youssou Abdrahman Ali. Le Tchad et la République du Mali sont deux pays frères, amis et membres de plusieurs organisations régionales et sous-régionales. C'est à ce titre que le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Mali, accrédité au Tchad, Gassama Sadio, est venu présenter ses civilités au Premier ministre Païmi Padaké Albert. L'ambassadeur malien Gassama Sadio, qui a officiellement pris fonction en septembre dernier, est le représentant direct de son pays auprès du Tchad. Gassama Sadio est désormais appelé à garantir les bonnes relations de coopération qui lient son pays au Tchad, partant défendre les intérêts des deux pays pour une meilleure visibilité. Le Premier ministre Païmi Padaké Albert s'est naturellement réjoui de l'excellence des relations de coopération qui existent entre les deux pays et a signifié qu'il pèsera de tout son poids pour qu'elles soient davantage renforcées. Païmi Padaké Albert promet également soutenir Gassama Sadio tout au long de la mission qui lui est assignée au profit de notre pays, le Tchad. L'ambassadeur de la République du Mali, Gassama Sadio, est sorti rassuré de cette audience. En tant qu'ambassadeur auprès du président Idriss Déby, c'est le renforcement des relations entre nos deux peuples et nos deux pays. Et dans ce cadre-là, je sais que l'exécution de ma mission ne peut pas réussir sans le soutien du Premier ministre et de tout son gouvernement. Donc après le président, je crois que M. Jeunesse est devenu le voir pour lui faire une visite de courtoisie et lui demander son soutien. En tout cas, à mon endroit pour l'exécution de la mission qui m'est confiée. L'on sait que le Tchad et le Mali, à travers la mission des Nations Unies au Mali, partagent la même vision quant à la lutte contre le terrorisme, les djihadistes, les terroristes et les narcotrafiquants dans la zone sahélienne.